Salut à tous, c'est Megavolt. Salut, c'est Crystal. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte du jeu The Legend of Zelda Skyward Sword sur la Nintendo. Oui. Donc nous sommes dans la grande caverne antique, nous nous étions quittés donc au point de sauvegarde. Et il y avait une grande salle avec un coffre, avec 85% de chance que ce soit la clé de la porte qu'on avait vue au cours du jeu en haut d'une statue. Voilà. Donc il nous reste plus qu'à y aller. Vas-y. On y va, c'est parti. Donc nous étions là. On a 45 minutes d'autonomie, donc on a de quoi faire, j'espère, la fin du donjon. Donc on avait ouvert la porte là. Je crois qu'il s'est fait mal là. Tu crois qu'il a eu mal? Je sais pas, mais à force de jouer à Oum le dauphin. Il joue à Oum le dauphin? Je sais, celui qui est dans le chocolat galactique. Tiens, t'as un truc à gauche là. Une ombre. C'est aussi une araignée. Allez, vas-y, Indiana and Link. Indiana Link. Bah oui, avec son fouet. Ta 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 ta. Des escaliers. Aïe. La brute. Et pourquoi tu essaies de la buter? Tu peux pas. Tu peux pas passer. Au revoir. Voilà pourquoi. Oui, mais en passant le côté, ça aurait été plus simple, je pense. De quoi? Ça aurait été plus simple en passant du côté du mur et pas du côté du vide. Tu crois? Ouais, j'en suis sûr. Moi, bon, bah, t'as entendu Link? Oui, c'est bon, j'ai entendu. C'est quoi cette voix? Ah, mais elle repart encore de côté, hein. Ah, bah, c'est Link, hein. Link, rouleau pâtisserie. Hein. C'est intéressant. Ah, c'était fait exprès, peut-être. Ouais. Ah, comment dirait-on? Est-ce que le nénuphar à l'envers, ça l'embêtait? Ça le gênait? Bah, pour passer, ouais. Ah. Une plante, ouais. Ça gêne Link. Attention, il pique. Ouais, je sais. Les mal rasés. Link aussi, il sait. Ah, je croyais que Link aussi, il piquait. Je vois pas comment un imberbe peut piquer. Un imberbe. Bah, bien sûr. Tout de suite, les méchancetés. C'est pas une méchanceté. Regarde, Norman aussi, il est imberbe, et alors? La jeune personne? Si, Norman. Si ça l'embêtait, il en parlera pas. Essaye peut-être de récupérer. Non, trop tard. Ça fait plaisir de se sentir écouté. Désolé, j'ai pas capté sur le moment. Bah, tu remarques pas que t'avais des plantes à côté de toi et que t'as que 3 cœurs. Oh, j'ai une petite fée dans ma besace. Oui, mais ça fait du bruit, c'est chiant. Bon, t'as des plantes là. C'est beaucoup, mais. Ouais, mais il veut pas. On voit l'efficacité de Link. Hein. Combattre des moulins à vent, il y a 3-4 plantes. Bah, arrête de te moquer. Non, sinon, c'est pas... toi qui vas te prendre le coup dans la pâtisserie. Non, on n'en a pas. C'est un tort. Pourquoi tu prends une bombe? Tu peux m'expliquer? Oh, la pâtisserie. Ça marche. Bon, il tombe pas. Hein. On va essayer.
Essayer ne suffit pas. Mais c'est parce que tu m'as fait rire. Fallait dire gouloir pâtisserie, ça marche mieux. Bon, est-ce qu'on appelait le titre de cet épisode Rouleau à pâtisserie? C'était une bonne idée. Je pense pas que nos téléspectateurs vont comprendre, mais bon. S'ils ont vu l'épisode de la semaine dernière, si. Ouais, bah c'est vrai que 3 c'était beaucoup trop. On va passer à 2. Tu vois, ça marche tout de suite, rouleau à pâtisserie. Allez, j'ai des plantes là. Oui, je sais, Link n'est pas très efficace, mais c'est pas grave. Link fait ce qu'il peut. Ouais, ben justement. Et les autres, tu fais pas, non. Il est toujours dans le rouge. Radar en plus. Ouais. Et je te dis pas, c'est pire dans la version héroïque. Donc je te raconte même pas. Link est un Desperate Heroes. Tiens, il y a un oiseau, on dirait Sulfur. Non, triple, non, je sais même plus lequel d'ailleurs. Ouais, Sulfur, je crois, ouais. Il donne des coups de fouet à la queue d'oiseau comme si c'était gagnant. Tu vas voir. Ouais, tu veux sûrement t'accrocher à lui, j'imagine. Même pas. Non, je veux pas m'accrocher à lui. Je veux lui foutre la pâtée. Et tu pourquoi? Mais c'est un cœur quand même. Pourquoi tu. T'as fait quoi cet oiseau? Si j'avais pas fait ça, il m'aurait attaqué. Ah. Je sais pas si t'as vu, mais dans l'épisode de la semaine dernière, j'en ai déjà tué un. Je crois que tu n'as pas vu. Non, je ne pense pas. Non, parce que tu t'es occupé ailleurs. Pourquoi j'arrive pas à viser, à buter cette araignée? Rouleau à pâtisserie. C'est efficace, hein, cette histoire de rouleau à pâtisserie. Le rouleau à pâtisserie serait-il le point faible des hommes du futur? Sauf qu'il est du passé. Hein. Bon, alors... T'as dit des hommes, hein. C'est pas un homme lui. C'est quoi alors si c'est pas un homme? C'est un petit lutin. Non, c'est pas ça comment? Mais non, c'est pas un petit lutin. Lutin. Tiens, vas-y, t'as des plantes là. Allez, fais ton attaque circulaire. Non, faut dire ça à Link. Et du coup, il est fatigué. Oh la tronche! C'est un héros, ça. Ouais. Il donne deux coups d'épée et ça y est, il est crevé. Au moins, on pourra passer par là la prochaine fois, regarde. Ouais. Il est radioactif, ton Link, t'as vu comment il clignote? Ouais, il est radioactif, ouais. Bon. Comme il est pas très actif, on va dire qu'il est radio-passif. Rouleau à pâtisserie. Et voilà, la grosse statue s'enfonce. Eh, ça rentre pile poil, hein. Ils sont bizarres les ongles, t'as vu? C'est un petit peu fait exprès à mon avis. Mmh. Ça me rappelle un peu le dernier niveau que j'ai fait d'Assassin's Creed. Ah ouais? Ouais. Ça consiste en quoi? Oh, excusez-moi. T'as vu comme il a bouillé, il a bien plongé? Ouais, c'était pas non plus très compliqué. Tu verras qu'on... Il y a des choses qu'il sait bien faire quand même. Il sait plonger. Oui, c'est très bien s'y faire. Ah ça aussi, c'est bien fait. Tiens, t'as une ombre devant toi. À droite. Tu la vois? Ouais, mais je peux pas la prendre. Ah bon? Faut que je fasse un trajet différent. Mm-hmm. Tu vas avancer, oui, tête de nœud. Ah, comment tu parles, toi? Comment je quoi? Comment je l'appelle tête de nœud? Pourquoi il fallait pas? Non, c'est vrai, c'est pas gentil. Je retire. Thérésie, c'est de récupérer des cartes. Ça me gave de l'entendre. Bah voilà.
Là, tu récupères même des sous. Bon, c'est bon, maintenant tu peux pas t'arrêter, tu vas le fatiguer sinon. Après avoir des crampes partout. Après, il pourra plus battre Ganondorf parce qu'il aura mal partout. Déjà que là. Heureusement que c'est pas ce Link là qui fait le temps d'un crépuscule, hein, sinon. Oui, il n'y aurait pas d'histoire, il serait mort dès le premier jour. Sinon, l'histoire aurait duré. Puisque vive les roses. 60 épisodes par saison. Là. Comment ça, 60 épisodes par saison? Bah, le temps qu'il se repose à chaque fois, il aurait fallu 60. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah, mais non, bah, c'est par là, je voulais descendre par là. Je disais qu'il aurait fallu 60 épisodes par saison. 20 d'action et 40 de repos. Ils sont là un peu bizarres, on dit. Ils sont un peu zombies, ceux-là, non? Bah, ils sont un peu zombies, oui. Et puis, le problème, c'est que. Il faut absolument les. Et leur faire le coup de grâce? Oui, sinon, ils meurent pas. Je m'en étais douté. En tout cas, c'est bien, être dans des cœurs. Et des sous. Resident Evil. Vous avez le moment, obtenu donc. Un cristal. Un dark cristal. Ouais. Ça veut dire que... Eh oui, ça veut dire qu'il y a un Link, il y a un Dark Link. Il y a un cristal, donc toi, il y a Dark Cristal. Il y a certainement Oni Cristal. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Personne me déteste, enfin. Si, Link. Non, mais lui m'adore. Du temps en un crépuscule. Non, non, il m'adore. Il va m'adorer quand l'histoire sera finie. Ouais. S'il survit. Et pourquoi il survivrait pas? Il s'y retrouve la mémoire. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a perdu la mémoire? Je sais pas. Mais pourquoi tu dis ça alors? T'as lu? Bah. Oui. En avant-première, en exclusivité, mais je ne vous spoilerai pas, chers... Trop tard, t'as spoilé en disant qu'il a perdu la mémoire. Ah bon? C'est vrai? Bah, ceux qui n'ont pas lu le chapitre 2, ils peuvent pas le savoir. Bah, tu l'as pas lu le chapitre 2, non? Ouais, mais pas depuis très longtemps, et tout le monde l'a pas lu encore. Ah. De toute façon, comme les missions... Attends, là j'ai un problème. Pourquoi tu sautes là? Mais non, mais j'ai un problème avec mes... J'ai un problème avec les commandes. Mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, j'ai un problème avec les commandes. Eh ben, remets à zéro. Reste pas dans le stickid. Elle va pas là, Link, dépêche-toi. Non, j'ai vraiment un problème avec les commandes. Eh ben, réinitialise-les, c'est ce que je te dis. T'as un bouton, je sais plus comment tu fais là, pour les réinitialiser. Je l'ai fait, je l'ai fait. Eh ben éteins la Wiimote et rallume-la. Bon, je sais pas, attends. Alors, paramètres. Voilà, excusez-nous, il y a un petit... Voilà. Ouais, parce qu'il y a un problème, c'est... je crois que c'est le Nunchu qui part pas dans le bon sens. Vas-y, hop. Désolé pour cette petite interruption du son et de l'image. Espérons que Link ne crève pas. Ah ben là, il est bien parti pour, hein. Si ça marche pas, on changera la Wiimote. Le Nunchu, pardon. Essaye de sortir de ce liquide infâme le plus vite possible. Juste que je trouve la... Ok, c'est bon. Voilà. Par contre, je ne sais plus où j'étais.
À mon avis, je venais de là-bas. Oui, je venais de là-bas parce que je me rappelle, j'ai buté celui-là. Donc je pense que je dois aller par là maintenant. Excusez-nous, excusez-moi surtout pour... petits embêtements. C'est pas faux. Je me demande si quelque part il y aurait des bombes. J'ai dû louper un endroit. Ou même des cœurs, ça serait cool. Ouais, mais j'ai dû louper un endroit là que je devais aller. Je pense. Donc on va voir. On va repasser par là. Ouais, j'ai loupé un endroit, effectivement. Ok, on est d'accord. Ouais, il... Oh, qu'est-ce qu'il... Quand il est comme ça, il est capable de rien. Pas capable de bouger son épée, bizarrement. Merde, il y a déjà des cœurs. Ouais, il a surtout pris feu. Et t'as une griffe de monstre. Oh oh. Je reviens. Quoi? Là, j'ai un petit peu peur. Quoi? Bouclier. Il était pas en bois, au moins, mon bouclier. Parce que si mon bouclier était en bois, il a cramé. Non, c'est bon. Je suis vrai qu'un bouclier en bois, c'est pas... Alors, une petite bombe qui se promène vers le rocher qu'on a vu tout à l'heure. En espérant que j'arrive à temps. Ça devrait le faire. Et voilà! Maintenant, on repart dans l'autre direction. Ah! Les petits papillons. On va faire des cœurs. Ouais, c'est une bonne idée. Alors, des cœurs. Ça nous fera du bien. En espérant que j'arrive à les tracer cette fois. Merveilleux! Des petits cœurs! Petit cœur, petit cœur, petit cœur! Tout va bien! Voilà, et maintenant nous pouvons repartir vers ce petit trajet. Ressortir le fouet. Commence à menacer Link du couloir à pâtisserie s'il continue à faire son malin. Du coup, il a peur. Par contre, je sais pas du tout quoi faire là. Intéressant, on va regarder. Ah si, peut-être en montant là-haut. Voilà. Ah bah oui, voilà. Ah oui, là, il va falloir cavaler. Il va falloir courir vite. J'y étais presque pourtant, c'est dommage. Tu
sais. Ouais. Ouais, si, j'ai compris, mais j'ai mis un peu du temps. Attends, parce que je vois rien en fait. Comme je voyais rien. Là, il faut que je cours plus. On va y arriver, vous inquiétez pas. Là, on va courir à fond. Non, j'y arrive pas. Bon. On va essayer comme ça. Il avance. Punaise, c'est pas possible quand même que j'y arrive pas, je suis bien arrivée. C'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas possible! Peut-être une autre façon de le faire? Ouais, peut-être une autre façon de le faire, je vais voir si c'est pas une autre façon de le faire. En tout cas, je me prends la tête pour rien. Ouais, il doit y avoir une autre façon de le faire, on y va. Si j'en ai vu un, mais j'ai peut-être pas peut-être une autre façon de l'atteindre. C'est pas la peine de parler, on comprend pas ce que je dis. Ah voilà, je fais une bêtise là. Ah non, c'était bon. C'était pas une bêtise en fait. On va en pâtisserie. Mais il a reculé en fait. C'est pas possible.
couloir pâtisserie. Triple rouleau à pâtisserie. Cette fois, il a l'air d'avoir compris. Il a entendu que j'arrivais. Il a eu peur. Ouais, mais là, effectivement, là, il... C'est un suicide. Il arrête de faire son cortex un peu, là. Allez, cette fois, ça va être la bonne. T'es encore loin du poste, là? Alors là, aucune idée. C'est cool, ça roule dans l'autre sens maintenant. Ouais, c'est pour ça que c'est plus facile. Tout de suite, ça marche beaucoup mieux. Tu vas comprendre pourquoi. On s'en fout de lui. Voilà. T'as raison, on s'en fout. Évite-le. Il est vachement dangereux. Il y va avec l'épée et le bouclier dans la main. Il ronge tout en sautant. C'est du Link, hein. C'est un Link. Ouais. Je montre le saut est automatique. Ah, tu l'as dit. Suffit de lui parler gentiment, c'est bon, il a compris. T'as pas fait ce que t'as fait tout à l'heure, mal envers? Si, il s'est fait exprès. Pour que ce machin-là puisse aller dans l'autre sens. Je vois. Pour que je puisse m'en aller par là. Enfin, quand je dis moi, c'est Link. Ouais, ou Megavolt plutôt. Megavolt, ouais. Pas le petit bonhomme. Il est bizarre le sol là. Allez, dépêche-toi Link. De l'ombre à la lumière. Ah, il s'attache. Ah, il monte tout seul, non? Non, Link, ne va pas vers la lumière blanche. Bah si, justement, il fallait qu'il y aille. Rends à la statue sa forme première et descends le fil vers le fond de la terre, la clé qui ouvrira le chemin qui attend. Tiens, t'as une ombre. Je pense qu'on est sur le point de récupérer le coffre. Et bientôt de finir cette vidéo. Malheureusement. Et à quoi ça sert ce qu'on fait ici, selon toi? À faire remonter l'eau? Non. Ça fait remonter la statue, parce que qu'est-ce qu'il y a sous la statue? Aucune idée. Et on va aller voir ça tout de suite. On va reprendre le fil. Attention, ça coupe les doigts. Ah. Oh, un doigt à Link qui vient de tomber, dis donc.
bon, c'était parfaitement inutile, mais bon, c'est pas grave. Non, c'était pas par là qu'il fallait aller. Tu confirmes? Tout à fait. Toi, je connais pas le jeu, mais vu la la façon... conjonctivite. Vu la façon dont la pièce est aménagée, je me dis qu'il y aurait peut-être un boss par la suite à cet endroit-là, ou peut-être ici d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on trouve? Un cœur. La clé du boss. J'avais oublié celle-là. Qui d'ailleurs ne ressemble à rien. C'est la statuette sereine. Si, ça ressemble à un Bouddha. Et là, c'est le moment qu'on choisit pour se barrer. Au revoir les monstres. Ah, elle est encore retombée toute seule, la statue. Les zombies sont écrasés. Et il ne reste plus qu'à... D'ailleurs, zombie à l'envers, ça veut dire bison. Non, c'est pas faux. À remonter à la surface. Pour sauvegarder. Je suis pas sûr qu'on puisse sauvegarder, mais il faut d'abord que j'ouvre la porte du boss dans ce cas-là. Et on va sauvegarder. Cherche la clé qui sommeille au fond de la terre. Il semble la trouver. Si j'en crois à nos expériences passées, la clé dont il fait mention ici est celle qui ouvre le mécanisme devant nous. Ouais, et la clé, ben on l'a. Elle est toujours aussi inutile, cette pauvre fille. Dans l'autre sens, voilà, et tourne à droite, l'autre droite. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, tu tombes fin de à 40, 90 degrés à droite. Voilà, t'as plus qu'à pousser. Ouais, c'était bon là. Il faut qu'il soit vraiment bien installé, sinon... C'était bon, là. Voilà. C'était bon, là. Il faut tordre la main dans tous les sens. Et le lotus sur le nénuphar. La porte est ouverte. Mes amis, la porte est ouverte. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il fait son ligne. Okay, franchement, on a passé du temps à monter. C'était peut-être pas la peine de redescendre. Je ne sais pas, moi, mais bon. Tu t'ennuies dans la vie? Que t'aies besoin de faire le trajet deux fois? Parce que moi, personnellement, je m'ennuie pas. Hein. J'ai ton histoire à raconter, pas là, celle de ton descendant. Peut-être pour ça qu'il voulait descendre, il voulait voir son descendant. D'accord, ok. Bah lui, il a pas envie de te voir. Parce qu'après tout, c'est ta faute à toi s'il est dans la... Dans la mouise. Ouais. Va-t-elle ouvrir ses yeux, cette statue? En tout cas, elle a une drôle de tête. Et un long coup. Oh, il y a des cœurs, c'est cool. Et je pense qu'on va... Pas la peine de les récupérer. S'arrêter là? Ouais, s'il y a une sauvegarde.
Normalement, il devrait y en avoir une. Ouais. Ouais, cool. Donc, la semaine prochaine, nous nous attaquerons au boss. Enfin. Qui, si je me souviens bien, n'est pas de la tarte. Vas-y, sauvegarde. Et donc, nous vous disons à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye bye, ciao ciao.